Et salut à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous vous portez impeccable pour ce dernier épisode de notre aventure sur Super Mario Bros. Wonder. Et oui les amis, dernier épisode et je suis très content de vous retrouver à tête reposée évidemment, parce qu'on en a plus que besoin aujourd'hui, puisque c'est l'épisode ultime où on va affronter le boss final. Et avant ça on a encore quelques petites surprises, puisque voyez en haut à gauche, j'ai donc les 25 graines prodiges qui vont nous permettre de débloquer, on va y aller, hein, c'est un petit peu plus bas, mais c'était du coup un niveau à débloquer encore, et autant vous dire que j'en ai chié puisque j'ai dû recommencer le palais du volcan végétal. Souvenez-vous, je crois qu'on l'avait fait dans le dernier épisode, c'était déjà pas simple, mais surtout à la fin on n'avait pas de graines prodiges, donc il a fallu que je le refasse 3-4 fois pour trouver où était la graine prodige, parce que autant vous dire que c'était pas simple à trouver et j'en ai vraiment chié, c'était très caché et tout, enfin franchement ça aurait pu faire une vidéo entière, hein. La tanière des roulards, j'ai récupéré les 3 graines prodiges, il y en avait 3 parce qu'il y avait des sorties secrètes que je me suis cassé la tête à trouver également, donc j'ai dû faire ça 3 ou 4 fois, et puis donc du coup ça m'a débloqué là, pareil pour la graine prodige, et ainsi de suite. Après j'ai fait d'autres niveaux donc que je n'avais pas fait, par exemple qu'est-ce que j'avais fait, bon j'avais acheté ici, non je crois qu'il achetait plus de, il vendait plus de graines prodiges, là on avait déjà tout vu, je sais plus, ah oui donc faut aller de l'autre côté, j'ai toujours pas ouvert le raccourci, j'en ai rien à faire, hein. Je garde mon argent pour moi maintenant. Maintenant voilà, Pavarotti, on avait tout récupéré. C'était ça aussi, l'arène de combat que j'ai fait, qui était plutôt sympa. Donc voilà, plein de belles choses qui m'ont permis donc d'avoir les 25 graines prodiges. Et en fait, quand on regarde, ça a été calculé pour que, peu importe, il faut que tu fasses tous les niveaux pour pouvoir débloquer ce que je vais débloquer maintenant à l'instant T même. Voilà, donc ce qui est assez amusant, parce qu'en fait je me rends compte que dans les autres mondes, à mon avis, on n'a pas tout fini non plus. Mais bon, c'est pas bien grave. Et en plus, c'est un défi badge expert bot turbo. Ok, c'est même pas une... Je croyais que ça allait être un truc compliqué ou quoi, mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est juste un défi badge. Ok, bah écoute, c'est plutôt pas mal. On va découvrir donc les bots turbo. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on découvre ça, et pourtant c'est le numéro 2. Donc c'est pour vous dire, on n'a pas tout vu dans les précédents mondes. Alors courez continuellement à une vitesse incroyable, vous bénéficiez même d'une cour instant où vous pourrez encore sauter après avoir franchi un bord. Ok, en gros on vole un peu dans le vide. Et on va... Oh là là, on va super vite. Donc là... Ok, j'ai même pas besoin de sauter. Non, par contre t'arrêtes tes conneries. Ok, alors attendez, je la refaire. Ok. D'accord. En fait, on... Attendez, mais c'est un court instant très long qu'on peut voler. En fait, on vole, attendez, regardez. Non, pardonnez-moi. Ah bah voilà. Excusez-moi. Évidemment, j'ai tourné le regard et donc forcément, je voyais plus l'écran. Non. Ah non, j'ai le... Ah, alors par contre, va falloir que je m'habitue. Heureusement qu'on perd pas de vie. Va falloir que je m'habitue au fait qu'on peut marcher dans le vide littéralement longtemps. Ok. Eh bien, c'est pas évident. Bon, là... Ok. Ok. Oh non. C'est injuste. Alors ça c'est injuste. Pourquoi le carré a tourné, je ne sais pas. Bon enfin voilà, là de toute façon je vais être très honnête avec vous, hein. Bon déjà c'est le dernier épisode, mais je risque pas de m'énerver. Pour la simple et bonne raison que j'en ai tellement chié, messieurs dames, pour récupérer les 25 graines prodiges. Mais vraiment, hein, j'en ai chié, mais vous imaginez pas. Hein. Ok, j'ai pas réussi comme il fallait. Ok. Donc. Mais pourquoi il veut pas sauter aussi, hein? À quel moment il faut sauter, hein? Ça y est, j'ai l'info. Ah! Dommage. Dommage, j'aurais pu l'avoir la coquine. Bon, c'est vraiment pas le badge qui me plaît, hein. On va être honnête, ce badge, franchement, il est horrible. Ingérable. Ok. Ouais, c'est... Non. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je pense que c'est la fin. Ah ouais, d'accord, j'aurais pu avoir la pièce en haut. Ok, bon c'est pas bien grave, on s'en fiche total. Au moins on a pu tester ce badge. Et j'ai cru voir d'ailleurs que ça va nous ouvrir encore un accès un petit peu plus loin. Alors on va voir, ça peut toujours nous être très utile. Bon, dans tous les cas, avant de partir faire le boss final, on va quand même se racheter de la vie. Avec toute la thune qu'on a, on va vraiment miser là-dessus. Je pense qu'on va en avoir besoin. Alors attendez, où c'est que ça nous débloque le truc là? Regardez, c'est pas fini.
Beau travail, en plus on a réussi le badge. Non merci, ça va aller. Qu'avons-nous là? Oh, défi badge. Eh bien attendez, en fait il y a plein de badges. Même en bas c'est un badge... Bon alors le badge qui est en bas, je le reconnais, c'est le saut tournoyant que j'utilise même actuellement du coup. Bah vous le voyez en bas à droite, c'est le même logo, hein, avec le logo R. Défi donc, invisibilité. Invisibilité 2, hein, mais bon, là c'est quand même ma première fois que je découvre ce badge. Qu'est-ce que c'est que ce badge? J'imagine qu'on devient visible pour les ennemis. Oh putain, sérieux? Ah mais du coup moi je me vois pas non plus. Et je peux pas... Je suis invisible tout le temps. Ok. C'est pas très malin mais bon. C'est pas très malin. Ah bah voilà, je suis tombé dans le vide, je m'en suis même pas rendu compte. Mais qu'est-ce que tu veux faire mon frère? Qu'est-ce que tu veux faire frérot? Mais comment? Je ne sais pas où je vais. Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Ok, j'ai réussi. Donc là, je suis au middle. Hop. Ok. Ok, c'est bon. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. Après, ah oui, il faut un petit aide mémotechnique. Mais quoi? L'aide mémotechnique, c'est que je suis au milieu de l'écran. Ça, il faut s'en souvenir. Ok. Ok, et là, les nuages vont m'aider, peut-être. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ça a l'air simple. C'est vraiment pas simple. Très bien. Donc du coup, il me voit pas. Ah, c'est excellent. Attends, je vais lui sauter dessus pour avoir le nuage. Allez, la chicha. Donc voilà, je suis dans le nuage, hein, vous l'aurez compris. Je ne suis pas le nuage, mais je suis dans le nuage. Superbe. Oh non. Pourquoi il m'a enlevé du nuage? J'aurais voulu prendre tout en haut. Bon, dommage, c'est pas grave. Bon, on aura également testé ce badge. Bon, l'avantage, c'est qu'on le débloque. Maintenant, est-ce qu'on va l'utiliser? Je ne pense pas. Mais l'avantage, c'est que si vraiment il y a énormément de méchants, je peux toujours l'utiliser et ça peut me sortir de situations assez cocasses. Mais bon, s'il y a plein de squelettes au sol et tout machin, que je leur marche dessus, ça revient au même. Hein, donc au final, c'est pas vraiment très rentable. Hein. Ok, non, non, toujours pas. Par contre, on va continuer avec mon badge préféré, le... Ah non, ressort. C'est pas pareil. Ah non, c'est pas le même badge. Ah, c'est pas pareil. D'accord, ok, bah écoutez, on va voir ça. Mais on fait bien de passer par là parce que ça nous prépare pour le boss final finalement. Alors... Bondissez sans arrêt et sautez plus que d'habitude. Ok, donc si je fais que de sauter. Pas de ouf. Hein. Ah, ok. Ça s'arrête jamais? C'est horrible. Ok, d'accord. Bah, c'est bien de la merde. C'est de la merde! Au secours! Mais c'est trop nul ton truc! Mais c'est trop nul ton truc! Ok. C'est le premier saut qui compte le plus. Mais c'est de la merde. Non, sans déconner. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais quand même... Alors là, je vais être honnête avec vous, je m'en foutrais. Je ne terminerai même pas le niveau. Mais je veux le terminer parce que, messieurs, dames, après, ça nous ouvre un chemin et je ne sais pas où c'est que ça mène. Ok. Alors, je commence pas à me choper par le callback, là. Ouais, j'aurais pas dû m'arrêter. C'est pas grave, attendez, attendez, attendez. Oh. Hop, le sauvetage bien sûr. Inexistant. Heureusement qu'on a le checkpoint, évidemment. Hop, hop, hop. Ne jamais, au grand jamais, s'arrêter. J'ai trop le seum, voilà. J'aurais pu. J'aurais pu, hein. J'aurais largement pu, mais enfin. Mais enfin non, du coup, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas? Alors attends. Welcome to Mondstadt. Bon. Maintenant. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah ouais, du coup le nuage il disparaît quand on lui saute dessus en plus. Bon, les nuages peuvent te sauver, mais c'est pas ça qui va te faire monter quoi. Bon. Va falloir qu'on y arrive, hein. D'une façon ou d'une autre.
Excellent. Non mais là, mais ouais, mais moi je crois encore que j'ai le double jump. Ah oui, c'est le double jump, mon atout préféré, bah oui, c'est ça. Et à chaque fois je crois que je l'ai et ça me fait chier là, je l'ai pas. Mais pourquoi? Ok, je pense qu'on peut le faire en plusieurs fois quand même. Mais allez, putain, là, fais pas ta grosse. Superbe. Non mais là, c'est une plaisanterie. Hein. C'est une plaisanterie, les gars. Bon, j'arrive à m'en sortir parce que je suis un vrai ninja. Ah. Alors là, ça va être un peu plus complexe, mais c'est toujours faisable. Visez la ligne. Ah, c'est un... Et par contre, là, je suis à deux doigts de bouillir. J'ai dit que j'en ai vraiment chié, donc en vrai, c'est pas si chiant que ça. Allez, vas-y, meurs, parce que là, ça commence à me gonfler sérieusement, ma copine. Je comprends pas comment j'ai fait pour y arriver avant. Ok, c'est bon, j'ai. Maintenant... Allez, j'ai trop le seum. Attends. Voilà, bichette. Oh oui, bébé. Alors là, à mon avis, je suis mort aussi dans le film. Alors là, il va falloir céder des nuages. Mais c'est complètement... Non, mais là, par contre, c'est complètement débile. Oh. Mais tu vois que les développeurs, à la fin du jeu, ils se sont dit, bon, bah les couilles, de toute façon, ils vont racheter notre jeu, donc bon. Ok, j'ai rien dit. Je me suis un peu emporté, peut-être. Voilà, non, mais ça... Ok, bon, là, on sait que ça passe automatiquement. Et là, il va falloir stopper la machine. Mais pourquoi? Pourquoi on passe dans le coin, maintenant? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème? Ok. Donc là, faut pas aller... Ah bah tu sais quoi, tant qu'on y est, on va avoir un bichette. Hein. Oh. Ok. Ok. Encore un checkpoint. Oh, j'aimerais bien que ça se termine. Hein. Cet enfer. Oh non, ça va être de pire en pire. C'est un vrai cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar ce qu'on est en train de vivre. C'est un vrai cauchemar. C'est... Non, c'est impressionnant. Oh, si proche de la fin, le drapeau est là. Hein. Bon, le drapeau est là, donc on n'a pas le droit d'abandonner. Hein, pour le coup... Oh, voilà. Il suffisait d'un petit peu de culot. Et puis on y arrive. Ah bah, je suis ravi, je suis content. Allez, ça fait plaisir. Pendant qu'on boit le petit café, évidemment, c'est le petit moment de chill de la journée, donc n'oubliez pas le petit like, le petit chocolat chaud, le petit café qui fait plaisir. Alors où c'est que ça mène maintenant? C'est ça la vraie question. Est-ce que je veux l'équiper? Vraiment pas, hein. C'est nul à chier tout ça. Alors, oh, on a trouvé un easter egg ou... Ah, non, on prend l'hélicoptère. Alors si ça me ramène au royaume des fleurs, je pète un plomb, hein. Si c'est juste ça. Non. On est où là, hein? On vient de trouver un monde bonus. Monde spécial. Wouah! Tu as vu cet endroit? C'est incroyable, mais où est-ce qu'on est? Cet endroit a l'air vraiment spécial. Je sens la présence d'aucune graine royale, mais ça peut valoir le coup d'explorer un peu le coin. Ok. Moi je dis ça sent surtout les bonus. Ça sent surtout que c'est pas le dernier épisode. Ah ouais, la difficulté, elle est maximale. Pardon. Il faut 6 graines royales plus 16... Oh là 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 là. Allez, volcan végétal. Pierre qui roule, Namas Pamous. Bien évidemment, ça veut pas dire grand-chose, cette expression, sachez-le. Ok. On va être une pierre, du coup. Let's go. Wins the win. Bonsoir les filles. Ça vous a manqué. Est-ce que je peux faire un double jump? Non, je peux pas. Oh,
Là, faut pas sauter. Éclaté au sol. Éclaté au sol. Mais quand je vous dis éclaté au sol, je pèse mes mots. Bonne chance. Complètement con, leur truc. Je suis pas de mauvaise foi, mais avouons-le. Avouons-le. Quand même. Parce que là, bon, c'est clair et net. C'est clair et net. Et après... Ok. Superbe. Allez. C'est pas possible. Oh bah c'est sympa ça. C'était pas ce que je voulais. Allez. Magnifique. Magnifique. Merci pour l'encouragement les Jones. Une vraie communauté. Alors là. J'ai trop le seum. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, juste pour dire, j'avais une cinquantaine de vies, hein, souvenez-vous, j'avais même 60 vies. Ah. Et là, j'en suis à 35. Autant vous dire que c'est la débandade totale. Donc, je suis bien content d'avoir beaucoup d'argent. Je suis content d'avoir beaucoup d'argent. Voilà. Je vais pouvoir m'acheter plein de vies. À mon avis, j'ai vraiment pas l'intention de tout me claquer pour le boss final. Enfin, non, justement, j'ai pas envie de tout me claquer pour ce monde débile là. Allez, c'est parti. Casse la tête. Ouf. On a eu chaud les enfants. Bonsoir les filles. Allez là on perd pas de temps, parce que c'était là le vrai problème. Voilà. Ok. Voilà, c'était le monde perdu, messieurs, dames. Non pas le monde perdu, le monde spécial, enfin bref, un truc qui n'a absolument aucun intérêt, puisque de toute façon ça ne mène à nulle part. Voilà, c'est complètement débile. Je suis bien content d'avoir découvert cet endroit. Peut-être qu'on fera un truc secondaire, quelque chose comme ça. J'en ai aucune idée. Moi, je trouve ça vraiment nul. Voilà, je suis dégoûté parce que j'ai quand même claqué 25 graines royales, graines prodiges, pardon, pour arriver à cet endroit qui n'a absolument aucun intérêt, qui nous a fait perdre presque 20 minutes pour pas grand-chose. Un petit peu de plaisir quand même, hein. Un petit peu de plaisir, mais bon, c'est pas non plus énorme. Alors, ce qu'on va faire quand même, hop, on va aller chez le marchand de journaux. Et on va lui prendre, du coup, plein de vie. Voilà, on va lui vider son stock de life. Parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Toujours rester au-dessus de la barre des 300 quand même. Et donc, 73 vies, c'est plutôt pas trop mal. Voilà, allez, on va pouvoir y aller en détente. Doigt sur la détente. Et direction donc les îles florales et le boss final. Quel enfer! Quel enfer me diriez-vous? Allez, c'est par ici. Bowser, je ne vais faire qu'une bouchée de tout. Bien évidemment, je l'espère de tout cœur, parce que sinon on est mal barré. Bon, donc tout ça on a réussi, tout ça on a réussi, tout ça on a réussi. Voilà. Tout ça on a réussi. Et bien c'est parti, on rentre dans son antre. Furie finale de Bowser. Difficulté maximale, donc autant difficile. Mais attends, mais c'est encore moins difficile que ce qu'on a vu avant, non? Ou je suis bête? C'est moins difficile que le monde secret, non? J'ai pas fait gaffe, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'étoiles. Là il y a 5 étoiles, je croyais qu'il y en avait 6 avant, non? Je suis pas sûr de ma connerie. Ok. C'est le retour des frérots. Alors comme ça vous êtes arrivé jusqu'ici, mais c'est pas de peau, j'ai plus envie de jouer. J'ai un billet VIP pour assister au grand final de mon papounet, et il n'est pas question que vous me gâchiez la fête. Je vais vous montrer que je suis le plus fort. Ok. Le retour de Rey Mysterio, donc là on va l'éliminer pour de bon. Oh là. Bah. Il est bête, hein. Non, c'est une blague. Oh, je suis pas mieux. Oh, je suis pas mieux. Imagine, on se retape l'intro. Non, c'est bon. Ok. Très bien.
Ah non, le décor il bouge. Non, la flemme. La flemme de ouf. Bon. J'attends un peu pour voir ce qui m'attend quand même, ok. À toi. Alors, tant que je peux faire ça, ça me va. Ok, ils s'en foutent de moi en plus. Tu vois, là, tu serais invisible, ça sert à rien, parce que de toute façon, ils t'attaquent pas. Mais si tu leur marches dessus alors que tu te vois pas, bah, ça revient au même. Donc, Non, mais... C'est éclaté. Et franchement, hein... c'est vraiment mais d'un ridicule, en fait. C'est ridicule. Bon, bref. Super fun. En fait, t'as pas le choix d'attendre. Jusqu'au bout... Se fout de toi. Ah, t'as combien d'heures de jeu sur Super Mario Bros. Wonder? Oh, ben. En fait, c'est comme un jeu Rockstar, tu sais. T'as l'impression que le jeu est tellement passionnant, c'est pour ça que tu passes des heures. Mais non, tu passes des heures parce que t'as juste pas le choix, en fait. Excellent. Allez, donne-moi ça. Ça le racaille. Bon, là, j'ai compris qu'il faut que je me cache là-dedans. Et du coup, je vais y rester. Ok. Salut, tu crois que c'est le moment de... Ok, d'accord. Je savais ce qu'il fallait faire, mais enfin bon, de là à le faire... Faut rentrer à l'intérieur de l'anneau, quoi. Allez, voilà, une heure après. Non, c'est vrai que c'est pénible, hein, ce genre de... Les niveaux où, en fait, le... T'as tout qui défile, c'est chiant quoi. Voilà. Hop. Voilà. Merci, bonsoir. Et du coup là ce qu'il faut faire c'est rentrer dans l'anneau. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais me permettre d'attendre. Et oh. Alors, monsieur. Superbe. C'est génial. C'est génial. Vraiment, hein. C'est génial. Parce que du coup, tu recommences. C'est chouette, hein. Alors moi je vais vous montrer, ça va aller très très vite parce qu'en fait mon intérêt pour ce genre de situation est à peu près proche du néant. D'accord, parce que jusqu'ici c'était intéressant, tu vois les niveaux et tout, c'est cool. Par contre là quand c'est du foutage de gueule comme ça, voilà, tu vois. Ça c'est le genre de truc, ça m'agace. Donc ça faudra pas me le faire plus de 10 fois, hein. Je préfère te le dire. Je préfère te le dire, comme ça vous êtes fixé. Ok. À l'intérieur, mais après il faudra ressortir. Même si t'as l'impression qu'il faut rentrer dedans. Enfin bref. Très bizarre cette phrase, ça dit. Voilà. Donc là, faut juste attendre. Ils sont forts pour faire des feintes hein, quand même. Hop. Voilà. Tête de linotte. Je suis censé aller où là? Oh là là. Salut mec. Ok, ok, ok. Ok, un petit checkpoint. S'il vous plaît. Allô? Superbe! Oh la dingue! Oh la dingue! Ça c'est pas mal, je peux pas rentrer dans un tuyau, non? Retour de la comédie musicale. Ah l'enculé! Ok. Oh purée. Ok, ça passe.
Là, il y a un tuyau, je peux pas le prendre. Très stylé. J'espère que c'est pas copyright. Alors. Oh, je vole, d'accord. Ok. Incroyable. Ouais, faut arrêter de prendre du LSD par contre. Il y a des champignons qui sont pas comestibles, hein, il faut le dire, il faut le savoir. Dommage. Très rigolo, cela dit. Non! Oh là là, mais quel enfer! Ok. Ah, il y a plein de spectateurs! Plein de méchants spectateurs! Checkpoint. Merci beaucoup. Il était loin le checkpoint hein, quand même, hein. C'est un peu exagéré. Hein. 3, 4. Ok. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Ok. Ok. Superbe. Oh, c'est l'heure du spectacle. Avec Bowser en personne. Même pas. Bon, merci d'être venu, surtout toi. Peach, ma princesse chérie. Oh. Est-ce que vous êtes prêts à suivre mon rythme prodigieux? Ce final fera de l'univers entier mon public captif. Que la furie finale de Bowser commence. Musique. Donc là, va falloir être en rythme. Ah ouh. Ok. Ok. Bon, quand on dit d'être en rythme, c'est d'éviter les... Ok, j'ai compris. Regardez. Imagine, tu finis le boss final comme ça. Ce serait mortel. Ok. J'ai capté. Ok, très bien. En plus, j'ai le double jump. Hein. Tu veux que j'aille là? Pas de problème. Hop là. Ok, ça me plaît plutôt pas trop mal. Ah mais il s'éclate, il danse super bien, il a un bon move le con hein. Eh hey, tu twerk ma chérie. Oh. Oh l'éléphant. Oh non, dommage. Dommage. Oh non. Oh, 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 oh. Ok. Quoi? Ok. Ok. Bouge pas. Là, ce qui m'emmerde, c'est si je meurs, il n'y a pas de checkpoint. Ah oui, c'est bien, je vais en plein dessus. Intelligent, le mec. Ok. Dommage. Ok. Ok. Pas trop mal. En vrai, je me débrouille pas trop mal. C'est pas très compliqué aussi, faut être honnête. Ok. Viens voir ma chérie. Voilà. Tu vas faire quoi mon chéri là, mon petit bichon? Qui est-ce qui me réserve? Putain mais ça se finira jamais. Ça se finira jamais. Oh, oh. Ok, au moins je suis un peu plus safe quand même.
Merci le double jump encore une fois. Ok, là ça pue. Parfait. Oh non. Ok. Allez, allez, allez. Wouh. Show the night. Show the night. Oh là, ça y est. Là, il est vraiment fâché, l'Oé. Là, c'est vraiment pas nice, hein. Hop. Oh, j'enchaîne. Ah, on a pété, hein. Allez. Et... Wow. Non. Ok. Ok. Dommage. Dommage, dommage. Je vais claquer ma fleur parce que je la sens pas bien cette histoire. Mais ça s'arrêtera jamais. Ok. Oh, l'enchaînement, mec. Oh, dommage. Allez, let's go. Là, il va pas être content, là. Ok, maintenant, c'est le bouton en haut. Oh là là. Ok. Dommage. Ah là, il faut que j'attende. Oh non. C'est horrible. Ok. Bouge pas. Non. Oh là. Ça dégage la racaille. Ça fait mal, hein. Oh non, il me fait presque de la peine. Non, Bowser. En vrai, ça me fait presque de la peine. À mon avis, c'est pas fini, hein. T'enflammes pas trop vite, ma belle. Ouais. Quoi? No way. No way. Non, non, mais on c'est pas fini. Oh si, c'est fini. Excellent, la graine royale, royale, plus plus. Magnifique. Vraiment là? Avec les graines prodiges. Et voilà. Toutes les graines prodiges. Enfin, toutes les graines royales, pardon. Mais non. Mais non, Bichette. Mais vraiment, il m'a presque fait de la peine. Pour de vrai, de vrai, de vrai. Waouh. C'est beau. Magnifique. Les îles florales reprennent de leur splendeur, là, j'ai envie de vous dire. Et évidemment, ils viennent que maintenant, les Mario Luigi, tout ça. toute la clique. Hé, hey, on a sauvé le monde. Non, non, c'est Peach toute seule qui a fait ça, frérot. C'est les copains. Moi aussi, j'ai mes pétales qui se dilatent. Incroyable. Let's go. On l'a fait. Et je pensais pas que le boss final, ce serait vraiment juste ça. Vraiment, là. Oh.
Oh, c'est les crédits de fin. Excellent. Ah, du coup, on peut pas mourir. Évidemment. Excellent. Bah voilà, bravo à tous. Oh putain, je peux même les... C'est excellent. C'est super bien fait. Hein. Propre. Hein. Jusqu'au crédit de fin. Ah, tu peux pas mourir, tu m'étonnes. Trop stylé. Bah GG à tous, hein. Tomoni Sumaki, Hiromi Sugimoto, Yuzuke Suzuki, Io Saito, Sidan Wang, etc., etc. Trop stylé. Bravo à tous. Bien sympa. Eh bien écoutez, les amis, merci d'avoir suivi cette petite aventure. Alors oui, alors bien sûr, il y a des mondes, enfin pas des mondes, il y a des niveaux secondaires qu'on n'a pas forcément tous fait parce qu'il n'y a pas eu besoin de les faire. Hein. Ça c'est clair et net, il n'y a pas eu besoin de les faire. Par contre, par exemple, le monde 6, on l'a vraiment terminé de fond en comble pour le coup. C'est le seul dont je suis sûr qu'on l'a terminé de fond en comble. Bah, le monde 1 également. Les autres mondes un peu moins. Par contre, le monde secret, là, le tout dernier qu'on vient de découvrir en début d'épisode, ça a l'air d'être une catastrophe. Ça a l'air d'être plus dur même que bah justement ce qu'on vient de faire, là, le boss final. Très bizarre. Bon, ça reste à voir, mais en tout cas, voilà, moi je me suis régalé, c'était bien sympa. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ce générique absolument incroyable. Orijo Taguchi, Yasuiko Wabe, Masatoshi Ogawa, Unuhiro Omatsu. Incroyable. D'ailleurs, il y avait un monsieur Suzuki juste avant d'ailleurs. Voilà, ça m'a c'est stylé, je trouve c'est trop stylé. Parce que moi forcément Suzuki c'est une marque de moto, parce que je suis motard. Donc forcément c'est le premier truc qui me fait penser à ça. Takaki, très bien. Chrono Tachygraph, Tamagotchi, Tatsumi. Putain, mais c'est excellent quoi. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça montre toutes les mécaniques là. C'est le générique de fin, montre toutes les mécaniques qu'on a pu affronter. Donc c'est assez amusant. Non, franchement, pas déçu. Merci encore, Arthur, du coup. Merci beaucoup, Firestorm. Sans toi, ce let's play n'aurait pas eu lieu. Franchement adorable, comme dit on aurait dû le faire à deux en live. Malheureusement bah, entre temps j'ai arrêté les lives et puis tous les deux bah, évidemment on a du mal à se capter. Et puis surtout bah, vous voyez enchaîner 9 épisodes c'était pas un problème pour moi. Par contre enchaîner à deux en plus, donc faut savoir se coordonner. Enchaîner donc et en live à deux, autant vous dire que ça va prendre énormément d'heures. Donc beaucoup moins gérable pour créer du contenu. Donc voilà, les choses ont dû un petit peu changer. Mais du coup voilà, c'est vraiment grâce à lui, donc gros big up. Ça régale, donc j'espère que vous avez vraiment apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu bien évidemment, le commentaire. Et puis vous pouvez voir sur Eneba, lien en description. Éventuellement si vous avez la Switch, vous pouvez voir pour vous prendre, vous savez, les jetons de eShop. Voilà, pour payer peut-être moins cher sur eShop. Après c'est pas garanti, hein, je vous laisse voir par vous-même. Si ça vaut pas le coup, évidemment, ne faites pas ça. Mais si ça vaut le coup, n'hésitez pas. Voilà, bien sympa. Ah, là, c'est plus des noms de chez nous, là. Hein. Bad Animals. Ça, c'est un pseudo, ça. Ayoyama. Ah, bah voilà, c'est de nouveau. Ah, c'est stylé. Hein. Il y a beaucoup de monde autour de ce jeu qui m'a bien fait rager, quand même. Hein. Évidemment, hein. Surtout toi là, Dragon, il m'a fait rager un peu avant. Hein. Il est là pour t'aider normalement, il m'a étouffé le salaud. Quand même dingue. Complètement fou. Bon bah voilà. Légendaire. Ça fait beaucoup de monde quand même. Hein. Même au cinéma, il n'y a pas tant de monde. Hein. Incroyable. Le retour de la patrouille de France italienne. Tu. Nintendo est l'auteur de ce logiciel au regard du droit d'auteur, tout droit réservé, évidemment. Donc j'avais pas le droit de dire du mal du jeu. Je me suis fait perdre ma démonétisation à cause de ça. Let's go! Toujours rester après les génériques de fin, les amis. Ah, il est lourd, hein. Il est lourd, ton pote, hein. Gros sac, tu veux peut-être que je t'aide? Bien qui finit bien. Excellent. Chez. Reviens quand tu veux.
Je m'attendais pas à la fin comme ça. Je m'attendais vraiment à une révélation finale, une scène post-crédit. Mais non. Excellent. Eh ben, c'était bien sympa. Eh bien, voilà, les amis. Félicitations, vous avez terminé le jeu. Voilà une médaille en récompense. Ça vous en fait un. Les stages que vous n'avez pas encore découverts sont indiqués par un point d'interrogation à l'écran du sélection du stage. Le bazar de Poplin propose de nouveaux badges. Bon, ben voilà, comme ça, pour ceux qui veulent encore continuer de jouer, c'est plutôt pas mal. Et là, le monde, d'ailleurs, du coup, maintenant, le monde est merveilleux. Hein, si on regarde un petit peu, le monde est quand même beaucoup plus joli. Attrape Carapate. Mais attends, on est où, là hein? C'est le monde... Ah, c'est le monde 1, ça? J'avais même pas reconnu. Ah ouais, c'est le monde 1, ouais, excellent. Excellent. Mais ouais, du coup, attendez. Mon spécial... Eh, difficulté 5 étoiles. Ah oui, non, c'est donc c'est autant difficile... C'est autant difficile que le boss final en soi. Maintenant, à voir où c'est que ça mène. Écoutez, je vais juste réessayer encore. Je vais juste réessayer encore le niveau, du coup. J'en veux, hein. J'en veux, mais je veux voir ce qu'il y a au bout, en vrai. Je veux voir ce qu'il y a au bout. Ce serait vraiment chouette de savoir ce qu'il y a au bout. Ah ouais, non, mais j'avais oublié. Ouais, d'accord. Bon, on va, à mon avis, très vite lâcher l'affaire. J'avais oublié que c'était une histoire de boule. Ok. Après, il n'est plus censé y avoir de méchants puisqu'on a affronté le boss final, non? Hop. 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 D'ailleurs, je peux aller vers là. Oh. Oh. Wow. Incroyable, je viens de trouver un de ces passages, mec. Magnifique. Donc là, ça passe. Ok. Allez. Allez. Oui. Oh, le retour du salaud. Oh non. Let's go, graine prodige obtenue. Eh. Alors attendez, il n'y a pas de checkpoint encore. Oh. Allez. Bon, les gars, je pense que j'étais de mauvaise foi en début de vidéo, comme d'habitude. En fait, à chaque début d'épisode, je suis de mauvaise foi. Et après, il suffit juste que je me débride un peu. Voilà, que je me chauffe. Et puis après, c'est une pierre qui roule, qui n'amasse pas mousse, quoi. Let's go, en fait. Alors maintenant, faut voir, en fait, combien il y a de niveaux avant d'arriver tout en haut. Pour savoir si ça vaut le coup de le faire ou pas. D'accord. Ouais. Donc là, il nous faut 6 machins. Donc déjà, là, c'est chiant. Un petit panneau. J'ai plein de panneaux si tu veux en acheter. Non, non, ça va aller. Par contre, qu'est-ce que t'as pour moi? J'ai acheté plein de vie. Wesh! 99 vies, il me donne comme ça. Ouais, ça va aller, hein. Ça va aller, mon ami. Ah ouais, il y a tous les panneaux, quoi. Toute la panoplie, dirais-je même. Excellent! On peut aller là? Non? Bah, je suis censé faire comment? Relever le défi. Bienvenue dans le monde spécial. Ici, nulle graine royale à récolter, mais des limites à repousser. Montrez ce dont vous êtes capable en relevant les défis qui vous attendent. Ah ok, c'est vraiment secondaire. Bon bah écoutez, moi je pensais qu'il y aurait un truc de ouf à la fin. Mais manifestement non. Attends, mais je suis censé faire quoi d'ailleurs là? Mais en plus, c'est complètement débile, regardez. Je peux même pas accéder. Parce que là, il faut que j'achète. Bah ouais, mais tu veux que je fasse comment? Comment tu veux que j'aille sur les autres îles? Bon ben voilà, en tout cas au moins on aura regardé un petit peu, on aura fait quand même ce défi que je n'arrivais pas, donc c'est toujours sympa. Voilà, toujours se relever plus fort bien évidemment. Bon ben voilà, mais c'était bien sympa, j'ai bien kiffé ce petit let's play, j'espère que vous aussi. Si à l'avenir vous voulez de nouveaux let's play sur Nintendo Switch, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me proposer le jeu en question que vous voulez que je fasse. On bandera évidemment à Arthur qui a toute la panoplie. Non, moi j'ai des jeux Nintendo Switch, mais j'avais pas le Wonder. Et donc voilà, mais c'était bien sympa. Voilà, c'était MKolo, je vous fais plein de bisous et à très vite. Ciao tout le monde.